C'est difficile quand on regarde les reflets de regarder l'eau, hein? Mettez-vous devant un miroir, vous allez voir, c'est pas facile. Parce que qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est qui le reflet? C'est quoi? Bibi, c'est vous. Coucou. Donc on se regarde, nous. Il nous faut traverser cette image. Vous comprenez? C'est ça le pouvoir de l'illusion. Il nous faut c'est qu'une image, mais il nous faut la traverser. C'est à ce prix que vous allez retrouver le miroir. Il n'y avait personne là. Mais c'est une fois que vous l'avez retrouvé le miroir qu'il n'y a personne et qui a pu la saisir. Comprenez? Ce miroir est en nous, bien sûr. Passer de l'autre côté du miroir, voilà l'expression. C'est ça contempler. C'est ne plus rester coincé dans ses idées, dans toutes ses pensées. C'est sentir notre cœur derrière. Le foyer de vie, là. Il est toujours là, quoi qu'on vive, quoi qu'il arrive. Le bon et le mauvais, le cœur est là. Vous comprenez? Sans ce cœur, il n'y a pas de vie de toute façon. Et toutes les vies, elles vont où? Dans le cœur, bien sûr. Les bons moments, on les goûte dans notre cœur, non? Alors goûter le cœur directement, c'est ça la contemplation. C'est ne pas exiger justement d'avoir une belle illusion. Tant mieux si elle est belle, mais vous voyez bien que ces choses-là ne durent pas. Par contre, votre cœur est toujours avec vous. Si vous allez à la source directement, vous aurez la source directement, en fait. C'est ça, contempler. C'est se situer à la source. Et d'en avoir toute la douceur, toute la vie, tout l'éclat, tout le côté brûlant, comme je dis. C'est un volcan. C'est pas les bisounours du tout, croyez-moi. C'est très fort, très puissant. Voilà la rencontre qu'on fait quand on contemple. On rentre dans cette force, dans cette vérité jaillissante, comme dans un volcan. Et on se laisse consumer, et c'est un délice, croyez-moi. C'est pas un sacrifice. On devient le volcan. On devient le feu jaillissant. Le feu dévorant. Il dévore l'illusion, croyez-moi. C'est tout ce qu'il dévore. Cet instant ici, là, vous savez, c'est le feu. Qu'est-ce qui reste de votre vie? Cet instant-ci. C'est tout ce qui reste. Tout est consumé dans cet instant-ci. Ayez l'honnêteté de le voir. Il n'y a que cet instant. Tout le reste, ce n'est que pensée et imagination, en fait.